Jean-Claude m'a réquisitionné pour faire l'ouverture, et j'en suis ravi. Et merci à Philippe et à Jean-Claude d'animer donc cette très belle table ronde. Un mot concernant notre écosystème et la lecture qui est la mienne opérationnelle, donc par rapport aux échanges que nous entretenons avec un écosystème important de start-up, puisque vous savez, nous fédérons un peu plus de 160 start-up aujourd'hui. Nous avons une ambition d'en fédérer 300 d'ici un mois et demi, donc le pari est lourd, mais tenable. Je crois qu'il y a plusieurs points qui me paraissent importants que je voulais partager avec vous avant que vous preniez la main. Indéniablement, la problématique du financement était un problème majeur. Moi, j'aime bien les exemples concrets et opérationnels. Je prendrai trois exemples. J'ai parlé ce matin d'un exemple qui était un jeune garçon qui voulait rester en France et qui ne s'est pas laissé séduire par les financements parce qu'il n'en avait pas directement besoin. Pour autant, j'ai d'autres cas précis d'entreprises d'ailleurs qui exposent aujourd'hui, qui ont fait deux levées de fonds consécutives, réussies, qui sont maintenant partis aux US parce qu'ils n'arrivent pas à passer le cap supplémentaire. Donc c'est quand même une vraie situation. J'ai un cas également donc, d'autres entreprises qui sont présentes, qui sont parties pas plus tard que la semaine dernière à San Francisco, qui m'ont tenu informé tout au long de la semaine. Ils m'ont dit, Dominique, les choses là sont faciles. Et ces exemples-là sont nombreux. Ces exemples-là sont nombreux. Je les partage régulièrement avec eux. Alors, on dit en France, première levée, deuxième levée, tout ça, ça se passe plutôt pas mal. Puis, il y a des institutions, et Alberto, tu le soulignais tout à l'heure, la BPI, ils font des choses extraordinaires. Donc, ils ont un rôle formidable. Mais, quand on passe à la première, deuxième, après, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, bien souvent, effectivement, ils partent là-bas. Et ils se laissent séduire par le chant des sirènes. Hein, et puis, bah, parfois, on ne les revoit pas. Et moi, j'ai perdu, en l'espace de 3 mois, non loin de 10 entreprises de nos adhérents qui sont partis aux États-Unis et qui m'ont dit, Dominique, tu vois, on ne reviendra pas. Ça, ce n'est pas acceptable. Ce sont des entrepreneurs formidables. Ils ont des projets formidables. Je pense à l'un d'entre eux également qui était là ce matin, qui revenait aussi de San Francisco. Il m'a dit, tu sais, ça va être dur de résister au chant des sirènes. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On regarde, on les laisse partir. Alors, bien sûr, on a un Jérémy Awad qui nous dit ce matin, eh ben moi, ce n'est pas un problème, moi, je restais en France. Mais combien sont-ils? Lui, il le dit. J'ai souhaité le faire intervenir à la tribune parce que, voilà, il le dit, il le revendique. Mais combien sont-ils? Moi, vraiment, j'attire votre attention et je pense qu'il faut qu'on se pose vraiment les bonnes questions. La réussite de nos start-up. Moi, je ne peux pas m'accéder. Vous vous rendez compte que moi, je fais 160 startups, on en aura 300 d'ici un mois et demi. Et il va falloir que je me dise, je vais perdre 80% de mon portefeuille parce qu'ils vont disparaître dans les 18 mois parce qu'on ne les aura pas soutenus. Non, ce n'est pas acceptable. Donc, moi, je crois que c'est un vrai sujet. C'est un sujet clé. On l'a même vu ce matin lors de la table ronde d'ouverture. Je pense qu'on a vraiment besoin de modifier les modèles. On a vraiment besoin d'accompagner ces jeunes entreprises. Alors, tous ne le méritent peut-être pas. Il faut rester lucide. Mais puis, il y a un autre aspect également. Les grands groupes sont devenus boulimiques. Ils rachètent des startups. Dans mon portefeuille, 20 d'entre elles ont été rachetées en l'espace de 18 mois. Beaucoup, hein? Et puis, bien souvent, ils les gâchent. Donc, pourquoi ils les rachètent? Parce qu'ils trouvent pas, ils sont au bout du rouleau. Et après tout, ils ont une opportunité. Et après tout, il faut savoir, c'est là aussi céder. C'est des vrais sujets du quotidien. Et je pense que, et je suis heureux parce que je sais que Philippe est très à l'écoute de ça et Jean-Claude, nous en parlons suffisamment souvent. Je crois qu'aujourd'hui, on a un énorme potentiel. Nous avons recensé dans l'univers du marketing, il y a comme 600 entreprises innovantes. On pense qu'il y en a 400 qui sont remarquables de par la qualité des usages. Il leur manque un peu de sous. Donc, je pense que, voilà. On va garder le côté positif de tes propos, Dominique. Non, mais moi, je suis très positif, vous me connaissez. Je suis très positif. Mais je pense qu'il ne faut pas qu'on oublie la réalité et on n'est pas dans le pays des bisounours. Oui, ça, c'est vrai. Et l'entreprise, ce n'est pas non plus un lieu de bisounours. Merci d'avoir accepté de venir chez vous.
Bien, mais merci à tous de vous être rendus disponibles ce matin. On va animer avec Jean-Claude effectivement cette table ronde autour des problématiques de financement. On va donner 1 minute 30 à chacun pour se présenter, puis ensuite on attaquera avec Alberto qui va nous raconter son histoire d'entrepreneur, histoire extraordinaire d'entrepreneur, mais bien sûr jalonnée par les problèmes classiques que nous avons tous rencontrés, que vous rencontrez tous, hein, qui est à différents stades de développement de l'entreprise, c'est comment je me finance et comment je prépare l'étape d'après dans les meilleures conditions possibles. Et si possible, dans un temps le plus court et le plus adapté à celui de la vie de l'entreprise. Je voudrais juste vous dire, ce matin, on a déjà eu deux, trois tables rondes. Moi, ce que je note, c'est deux choses essentielles qui ont été dites. La première, c'est qu'en France, il y a énormément de raisons qui font que entreprendre est de plus en plus facile et normalement devrait être corrélé de succès. Et ça, c'est fondamental. Alors, on a évidemment parlé de tout ce qui est soutien public au développement des entreprises, et on en parlera tout à l'heure. Mais on s'aperçoit également que quand on regarde ensuite la croissance de nos entreprises, ben, elle n'est peut-être pas aussi intense que le financement qui a été consacré à leur amorçage l'a été en réalité. Donc là, il y a une vraie question à se poser. C'est comment finalement on fait un couplage intelligent entre le financement traditionnel et le fait qu'on joigne à ce financement une relation opérationnelle qui fait que le financeur est aussi en partie responsable d'amener une capacité de développement à son poulain. C'est pas uniquement je te donne de l'argent et tu vas me restituer une somme, j'espère, supérieure à celle que je t'ai prêtée. C'est non seulement je vais te donner de l'argent, mais je crois en toi et je vais faire en sorte de t'aider dans ton sourcing, dans tes mises en relation, dans ta visibilité, dans des contrats, etc., pour accélérer ton développement. Et je pense qu'on aura tout à l'heure deux témoignages là-dessus qui seront extrêmement intéressants. Bien, 1 minute chacun et demi pour vous présenter, et puis ensuite Alberto sous les projecteurs. Fabrice, pardon, j'aurais pu dire Dorothée. Hein. Alors on va laisser à Dorothée. Bonjour à tous. Donc Dorothée Julien, moi je suis directrice adjointe du développement de l'innovation au sein du réseau France de BNP Paribas. Bonjour, Paul Fournier, je m'occupe de l'innovation chez BPI France. Bonjour, Alberto Chalon, directeur général de Compte, le moteur de recherche alternatif européen. Bonjour, je m'appelle Hugues Ansen, je suis le dirigeant de Starting Post, qui est un des dispositifs d'innovation ouverte du groupe La Poste. Bonjour, donc je suis Fabrice Pesin, je suis le médiateur national du crédit aux entreprises. La médiation du crédit aux entreprises, c'est une institution publique au service d'entreprises qui ont des difficultés de financement en dette et qui peut aider ces entreprises à retrouver les voies d'un financement équilibré. C'est plus gros que prévu, bravo, comme ça on aura plus d'espace pour la discussion. Alberto, 1 dizaine de minutes pour raconter cette vie trépidante qui est celle de Compte. Merci. En effet, Compte est une très belle réussite et un grand succès jusqu'à aujourd'hui en termes d'audience, en termes de monétisation et en termes de levée d'argent, en termes de levée de capital. Cette aventure n'a pas été si simple qu'elle peut apparaître, parce que quand dans les journaux, le 2 février, si je me rappelle bien, on donne une conférence de presse dans laquelle on annonce une augmentation de capital de 18,5 millions auprès de la Caisse des dépôts, ça paraît simple, mais on a eu un très très long chemin que je vais essayer de vous expliquer, vous raconter en 5 minutes. 2012, Eric Léandri, président et cofondateur avec Jean-Manuel Rosan, investisseur professionnel de la tech, et moi-même, on décide de partir sur cette grande aventure et notre concurrent est simplement Google. Et donc, on commence en investissant nous-mêmes avec des moyens propres. Et ça, c'est la première chose qu'il faut faire. Parce que si on veut convaincre un investisseur, il faut déjà prendre nous-mêmes le risque. Donc ça, quand c'est possible. Naturellement, si c'est un jeune, c'est un peu plus compliqué. Et on espère que ces entrepreneurs de 40 ou 50 ans mettent tout ce qu'ils ont à disposition de la boîte. Parce que ça, c'est déjà le premier point clé pour convaincre un investisseur. La deuxième étape, Jean-Manuel Rosan, investisseur professionnel, il avait un réseau de angel investors. Et je pense que ça, c'est déjà une première démarche parce que c'est plus simple de convaincre des individus à mettre des petits tickets et d'essayer de développer le premier proof of concept. Et après cette étape, pour ce qui nous concerne, on a eu la chance de rencontrer le groupe Axel Springer, qui est un groupe média digital, mais qui a beaucoup, beaucoup d'investissements, notamment pas que en France, mais dans toute l'Europe et dans le monde. Juste pour vous donner une idée, en France, ils ont 7 entreprises qui font 300 millions d'euros et 100 millions d'EBITDA. Peut-être qu'une partie d'entre vous les connaissent. Quand on a reçu le financement et l'entrée au capital d'Axel Springer, ça nous a ouvert beaucoup de portes et on a essayé de convaincre des autres investisseurs stratégiques. Mais cela n'a pas été possible.
parce qu'il n'y avait aucun investisseur stratégique, même allié avec Springer, dans des business models, qu'ils étaient très amis, ils travaillaient ensemble, pour pouvoir les convaincre, avoir le courage de s'en lancer dans cette aventure entrepreneuriale. Et voilà, si on n'était pas en France, avec les aides que la France nous a permis d'avoir, je vais rappeler par exemple le Crédit Impôt Recherche, qui nous permet d'économiser jusqu'à 40% du salaire brut de tous nos développeurs, on n'aurait pas pu réussir à arriver à la levée de capital, parce que si je calcule l'argent qu'on a reçu à travers le Crédit Impôt Recherche, c'était impossible de le récupérer. Si on n'avait pas une banque comme BNP qui nous mobilise le Crédit Impôt Recherche, et donc une fois qu'on demande à l'État ce Crédit Impôt Recherche, il y a quand même un délai de quelques mois, s'il n'y a pas une banque qui nous aide, encore une fois, la start-up a une visibilité, a un cash flow à 3 mois, à 6 mois, des fois à 2 mois. Donc on aurait eu un autre problème. Si on ne peut pas accéder à des plans de financement et des subventions et des projets de BPI, encore une fois, on n'aurait pas pu arriver à annoncer cette augmentation de capital. En bref, toutes ces briques nous ont aidés à arriver à compléter notre augmentation de capital. Sans oublier la possibilité qu'on a eue de présenter à la BEI un financement de compte sur un projet de souveraineté numérique. J'étais vraiment heureux d'avoir ce financement de 25 millions à des conditions intéressantes. Ce qui m'a impressionné, c'est qu'il y a un an, après qu'on a reçu le go de la banque, on a été invité, comme aujourd'hui, dans un panel, pour parler avec des auditeurs et expliquer comment on a pu réussir. Sauf que le dirigeant de la banque, quand il a expliqué qu'il y avait, il avait reçu 750 business plans et que 23 étaient financés, je ne savais pas comment l'expliquer. Parce que franchement, c'était vraiment très compliqué d'accéder. Mais n'hésitez pas à essayer d'accéder à BPI, c'est plus simple. N'hésitez pas à contacter la BEI, essayez d'avoir. N'hésitez pas à contacter des angel investors. N'hésitez pas à contacter des fonds d'investissement. Maintenant, ce qu'il faut se dire, que la difficulté en France et en Europe, et la différence avec l'Amérique, c'est que les investisseurs ne sont pas des personnes qui croient sur un business model qui n'existe pas. Je pose un exemple, pour moi, très clair. WhatsApp, avant d'être vendu à notre Facebook, ils ont investi peut-être des différentes centaines de millions de dollars sans faire un revenu, sans faire un revenu. Cette histoire en France, même si on avait l'idée et la technologie, j'aimerais savoir qui aurait prêté, qui aurait investi 200, 300, j'en sais pas, 500 millions d'euros. Aujourd'hui, Zuckerberg a investi 19 milliards, il n'a pas un business model et il continue à en mettre. Il y a plein d'exemples. Alors nous, les entrepreneurs français et européens, on a un défi. Le premier, c'est convaincre des investisseurs qui sont moins portés à risquer. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième, il faut qu'on pense de suite à un business model. À San Francisco, tu peux aller avec une idée, business model, tu l'as ou tu l'as pas, c'est pas grave. Ils te diront, bon, on va le trouver, on va réfléchir. Entre-temps, commence à travailler. En France, cela n'est pas possible. Même si BNP, BPI nous aident beaucoup, il faut être très clair, il faut être très efficace, très focalisé sur un business model. Et on peut avoir un business model plus ou moins risqué, mais il faut avoir des pistes et si possible, un plan B. C'est ça la grande différence entre, je pense, l'Europe et l'Amérique. En plus, des tailles des financements. Ça veut dire que récupérer 10 millions de dollars ou 10 millions d'euros aux US, c'est plus facile qu'en récupérer 2 ou 3 en Europe. Mais malheureusement, on vit dans un continent dans cette contrainte. Après, on a des autres avantages et il faut essayer de travailler avec les points de force de ce continent et essayer de combattre les contraintes. Merci pour cette belle explication. Je crois que tout le monde ici se retrouve un petit peu dans au moins une des parties du propos. Il y a peut-être un point qui me manque, Alberto, c'est le temps, le tempo. Un mot là-dessus ? Oui. Nous, on a commencé dans le 2012. Aujourd'hui, on est 2017. Donc, ça a pris 5 ans. Et dans les 5 ans, on s'est concentré au tout début sur le produit. Donc, on ne s'est pas concentré immédiatement dans le business model. Donc, construction du produit, construction de l'audience. Après, on s'est concentré sur le business model. Et comme je disais ce matin, quand les investisseurs te demandent « Est-ce que tu peux créer de la valeur en respectant tes principes de non-pistage ?» Oui, si on n'avait pas pu commencer la monétisation en juillet 2016 et démontrer à notre actuel investisseur Caisse des dépôts et l'investisseur Access Springer qu'on pouvait faire de l'argent, peut-être on n'aurait pas reçu les 18,5 millions et même la banque n'aurait pas fait ce prêt. Donc, il faut vraiment arriver à une démonstration de revenus et de création de valeur. Très bien. Je vais rester un tout petit peu plus sur cette question de tempo. Quelle est
la réactivité des différents partenaires qui ont été les tiens aux différents stades de développement de Quant, et est-ce que c'est confortable ou est-ce qu'il y a des messages à passer et de dire que sur certaines parties, il faudrait peut-être accélérer, simplifier, de façon à avoir une meilleure vue sur l'issue d'une phase, encore une fois, pour engager la seconde ou la suivante? Bon, pour ce qui concerne, il y a deux grands voies, deux grands sujets. Un investisseur qui rentre et prend une participation, naturellement, le process est assez long. Bon, dans le cas de la Caisse des dépôts, a été très long, mais on comprend que c'est un investisseur qui est très important, qui ne peut pas prendre de risques. En revanche, ce que je peux vous dire, que de le jour après que tu annonces d'avoir la Caisse des dépôts, tu as un accès incroyable à un réseau en France et je dirais en Europe. Donc, l'investissement en temps, qui a été plus d'un an pour ce qui nous concerne, je pense 15 ou 16 mois entre le premier rendez-vous et le closing, avec beaucoup de travail des équipes, beaucoup de travail des avocats, beaucoup de due diligence. Maintenant, on est en train vraiment de récupérer le temps qu'on a investi pour réussir à avoir Caisse des dépôts. Axel Springer, ça s'est passé très rapidement parce que c'est un investisseur professionnel habitué à mettre des tickets plus ou moins grands dans des entreprises. Sous 2 mois du premier rendez-vous au closing. Ça a été extrêmement rapide, mais je tiens à vous dire que c'est un cas, à mon avis, très particulier, Axel Springer. Et si vous avez des idées, des business plans, je vous invite à les contacter, parce que je pense qu'en Europe, ça soit l'un des meilleurs associés et partenaires que vous puissiez avoir, pour plusieurs raisons. Ils ont des moyens, ils connaissent très bien le digital, ils sont très ouverts et vous pourrez sûrement trouver beaucoup de synergies à l'intérieur de leur groupe pour travailler. Parce qu'une chose importante, c'est les synergies. On n'a pas que besoin d'argent. Nous, aujourd'hui, quand, par exemple, ce matin, je disais « n'hésitez pas à nous contacter », c'est parce que ce n'est pas que l'argent qui peut nous faire accroître notre business. On a besoin de synergies. Maintenant, ici, j'ai monsieur de La Poste. Quand je sors, je lui ferai un email. Pourquoi pas ? On pourra travailler avec La Poste. J'ai 2-3 idées. Lui ne le sait pas encore, mais je vais lui les communiquer. C'est très important. C'est très important. J'avais Figaro ce matin. Figaro, encore une fois, c'est groupe d'assaut, un groupe média. Il y a beaucoup de choses. Il faut, quand on rentre chez soi, penser, inventer un business et essayer de le faire ensemble. Le partenariat entre boîtes françaises ou boîtes européennes est quelque chose de crucial. Si on ne va pas essayer de trouver des rendez-vous, se parler, essayer de faire du brainstorming ensemble, trouver des points communs pour travailler, ça va être difficile. Avec que l'argent, on ne va pas réussir. C'est trop coûteux. Si on pense seul, on ne va pas réussir. Bah, excellente transition. Merci Alberto, parce que justement, il faut combiner effectivement et l'investissement et l'accélération du développement de ces poulains. Bah, on va commencer avec Dorothée. Comment des grands établissements financiers avec une image qu'on a d'eux et qui est en train de se transformer profondément aujourd'hui adressent-elles ce problème à la fois de financement et à la fois d'accélération des entreprises qu'elles accompagnent? Juste pour compléter ce que disait Alberto, donc sur la faculté qu'a un banquier finalement de comprendre ces modèles-là, c'est vraiment hyper important parce que tout ce mode de fonctionnement des business angels, des fonds d'investissement, ces temps qu'il faut pour lever des fonds et du coup aussi bien pour mobiliser du crédit impôt recherche, des choses comme ça on peut le faire. Enfin, la plupart des banques se sont maintenant dotées de banquiers spécialisés et formés à la compréhension de ces nouveaux modèles. Parce que pour bien accompagner évidemment les entrepreneurs, il faut comprendre comment ça fonctionne. Je confirme. Voilà, donc nous, c'est vrai que dès 2012, voilà, ça correspond à la création de Quant, c'est un hasard, on a décidé vraiment de spécialiser, de dédier des banquiers d'entreprise. Hein, donc, ce n'est pas des gens qui suivent les artisans, commerçants, ce n'est pas le même métier que de comprendre ces modèles qui vont disrupter, s'attaquer à Google et avoir des ambitions internationales et lever des millions d'euros. Donc, il y a vraiment besoin de gens très spécialisés et on travaille pour ça avec tout l'écosystème, hein, notamment BPI France, bien sûr, pour bien réussir à comprendre ces modèles-là et expliquer quand est-ce que la banque peut intervenir en financement ou pas, quand est-ce qu'elle pourra intervenir et dans quelles conditions. Donc, et en comprenant bien ces modèles, de savoir quand est-ce que les revenus arrivent ou pas, ce que c'est que le cash burn, quand est-ce que le fonds va investir ou pas, combien de temps ça prend, bah, on est capable de financer du crédit impôt recherche, d'intervenir même en bridge sur une levée de fonds, parce qu'entre le moment où le term sheet est signé et le décaissement effectif des fonds, ça peut prendre un certain temps. Et voilà, et comme disait Alberto, quand j'ai que 2 mois de trésor devant moi, ben voilà, ça peut être un problème s'il n'y a pas une banque qui est capable de faire le relais en trésor. Donc tout ça, c'est vraiment la compréhension des modèles et d'avoir un banquier. Donc ça, pour ceux qui créent leur entreprise,
entreprises ou que les entrepreneurs. Voilà, c'est une question bah, évidemment d'organisation de la banque que vous avez en face de vous, mais du conseiller et du chargé d'affaires que vous avez en face de vous, et de bien sentir s'il comprend bien ce que vous lui racontez et qui, voilà, qui voit bien à quel stade de développement vous êtes. Et effectivement, donc, en plus du financement et d'avoir des banquiers qui comprennent les startups, assez vite, dès 2014, on s'est rendu compte qu'évidemment, bah, on pouvait avoir aussi ce rôle de partenaire commercial, business, à la fois nous en tant que banquiers, mais voilà, BNP Paribas, c'est un gros établissement, une grosse organisation. Voilà, on s'équipe aussi pour évidemment travailler beaucoup mieux avec les startups, sur des startups fintech, assurtech. Mais aussi, on a un des premiers fonds de commerce d'entreprises, d'ETI, de grandes entreprises en France. Et ces grandes entreprises-là, elles cherchent aussi, évidemment, de l'innovation, des nouvelles solutions. Et donc, on a créé un programme d'accélération qu'on vient de renommer hier, qui s'appelait Innove & Connect, pour créer ces moyens de connexion et de travail ensemble. Donc, on agit vraiment comme un tiers de confiance, finalement, en partant des besoins de nos grands clients, donc d'ETI ou de grands groupes. Je peux citer l'année dernière, par exemple, on avait des gens pour parler un peu des domaines médias, communication, Altavia ou JC Deco, qui faisaient partie l'année dernière de nos parrains d'accélération, qui ont travaillé pendant 6 mois avec chacun une start-up pour aller chercher cette première preuve de concept et être potentiellement ce premier partenaire, ce premier client pour cette start-up. Parce qu'évidemment, en plus du financement, que ce soit en fonds propres ou en bas de bilan, bah, évidemment, il y a le business qui fait le succès de l'entreprise. C'est un hasard que BNP soit ici, mais c'est la banque qui nous a suivis. Et en effet, deux fois, on avait un term sheet quasi signé ou en signature. Et du term sheet au closing, ça passe 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois. Et BNP nous a aidés dans cette période, aussi faisant de la confiance, parce que, à l'occurrence, le dernier term sheet, celui avec Caisse des dépôts, n'était pas signé. Donc, il n'y avait pas une signature. Il n'y avait que des promesses, des ententes entre personnes, et BNP nous a fait le bridge jusqu'à l'arrivée du closing. Et sans ce bridge, on aurait eu quand même quelques soucis, et ça ne serait pas été simple. Donc ce projet fonctionne très bien. Et ce qui est important, c'est que j'ai trouvé dans la banque des managers qui sont ouverts d'esprit. Parce que si tu regardes by the book, c'est compliqué de financer une boîte qui a un term sheet qui n'est pas signé. Tu peux te poser des questions, tu peux te dire oui, mais s'il n'y a pas le closing, oui, si quelque chose se passe mal. J'ai vu quand même une ouverture à prendre, entre guillemets, un risque calculé, ce qui n'est pas évident. Donc, merci. La même chose sur BPI, quand tu accèdes à des projets, à des financements, tu présentes des nouvelles technologies que tu vas développer. Bon, ces nouvelles technologies, on ne sait pas enfin si on va réussir à les monétiser, si on va vraiment réussir à les produire telles quelles on a une conception un POC, mais je vois une prise de risque, une envie d'aider, une envie de donner un support, et ça c'est vraiment déjà une très très bonne, une excellente démarche. Il y a une chose qui est claire vis-à-vis du comportement des grands réseaux bancaires et en particulier de BNP, par son action sur l'atelier, sur le why, c'est le fait d'identifier les startups et de les faire remonter en prise directe avec des managers qui ont une capacité à prendre des décisions et surtout prendre des risques, l'annoncer et tenir ensuite un engagement. C'est pas encore suffisamment déployé au niveau le plus final entre guillemets des réseaux, et c'est vrai que si on est un entrepreneur un petit peu standard au début et qu'on va dans l'agence de son quartier avec son charcutier et son cordonnier, on n'est certainement pas traité de la même façon. Mais ce qui est remarquable, c'est que vous l'ayez compris et que vous ayez mis en place une action dans ce sens. D'ailleurs, je rappelle que avec BNP, avec Mike Capobianco, nous avions signé avec le comité Richelieu un acte dans ce sens de sourcing et d'accompagnement, et qu'aujourd'hui vous êtes sur une quinzaine de villes très actives sur ce sujet, et je pense que c'est tout à fait remarquable. Dorothée, vous voulez rajouter quelque chose? Oui, qu'on accélère aussi. Donc depuis 2012, en fait, on a construit cette équipe de banquiers spécialisés, de banquiers d'entreprise, hein, qui sont directement dans nos centres d'affaires entreprises, parce que les entrepreneurs comme Alberto, voilà, ils pensent tout de suite global, il faut être capable de les accompagner à San Francisco, même s'ils ne s'exilent pas, voilà, ils ont des marchés aux États-Unis et à l'international, et un grand réseau comme le nôtre, on est capable d'aider aussi ces entrepreneurs à aller vers ces marchés, vers ces marchés internationaux. Donc c'est ça qui fait la différence. Il faut avoir des vrais banquiers d'entreprise en face de soi qui comprennent, qui savent parler de la banque au quotidien et des besoins, on va dire, day-to-day de gestion de paiement de salaire et de gestion de relations fournisseurs, jusqu'à parler IPO, levée de fonds et déploiement international. Donc ça, pour nous, ça a été vraiment la décision, on va dire, de principe, en disant ces startups, même si elles sont toutes petites, elles font peu de chiffre d'affaires,
compte tenu du potentiel de développement et des ambitions, elles ont besoin d'avoir ces vrais banquiers d'entreprise qui savent parler de tout ça en face d'elles. Et hier, on a annoncé justement l'accélération de ce dispositif. Donc de 30 banquiers, on passe à une centaine de banquiers là, d'ici cet été, pour être au-delà des 16 villes principales qui ont depuis été labellisées French Tech, etc. D'être aussi au plus près de start-up qui se créent à Bayonne, à Metz ou à Mont-de-Lieu. Voilà, d'être aussi dans nos agences, d'avoir aussi des référents qui savent parler et comprendre les modèles des start-up. Je ne veux pas faire une intervention disruptive, mais juste avant BPI France, une des questions de fond, c'est la nature des financements qu'on donne à une start-up. Bon. On est dans un pays où on sait que les caractéristiques de l'épargne, c'est plutôt l'aversion pour le risque et la préférence pour la liquidité. Et on sait qu'une start-up, quand elle commence, par définition, avant qu'elle croît, elle est sous son seuil de rentabilité, elle a des pertes. Et le banquier dit, on n'a pas pour vocation à financer des pertes. Bon. Et le fonds dit, on va voir. Et il apprécie que le niveau du risque est probablement plus élevé que sur une entreprise industrielle ou de service classique. Et donc, ce n'est pas tous les fonds qui financent les start-up. Et ce n'est pas tous les fonds qui financent des start-up à risque. Et le niveau de risque est-il spéculatif? Je ne sais pas. Mais sur le disruptif, on est sur une nature de risque très particulière. Et on peut même se demander si c'est une entreprise qu'on finance ou si ce n'est pas de la volatilité. C'est-à-dire si ça n'est pas une très forte espérance de croissance qui repose au jour où l'entreprise a besoin de fonds sur une fonction de production qui génère des pertes et dont le business plan à 6 mois ou 1 an probablement manque de fermeté par rapport à une entreprise traditionnelle. Donc on est, à mon sens, sur de la start-up, on est sur des niveaux de risque spécifiques, on est, vous l'avez très bien dit, sur un métier extrêmement spécifique. Moi, le regard de BPI France par rapport à la nature de ce risque m'intéresse beaucoup. Alors, bonjour. Alors peut-être, pour prendre 2 secondes de recul, expliquer ce qu'on essaye de faire depuis maintenant un peu plus de 3 ans et répondre à votre interrogation. Bon, le premier axe, c'est de participer à un mouvement qui s'appelle la French Tech, qui est finalement une ambition de se dire il faut qu'on fasse une nation d'entrepreneurs. Cette ambition, elle est née d'un nombre de voyages d'ailleurs en Israël, où globalement on a à peu près copié ce qui s'est passé en Israël. Moi j'aime bien cette idée qu'il faut prendre ce qui marche ailleurs et l'implanter. Vous savez, Israël avait créé la Startup Nation, on a créé la French Tech. C'est passé par une marque, mais c'est passé évidemment du côté de BPI France par un engagement assez fort de participer à une dynamique qui s'est installée dans les grandes écoles. On est ici pour parler de start-up, ce n'était pas forcément le cas il y a 4-5 ans, et puis de les financer. Je vais vous donner un chiffre. En 2013, on finançait 1500 start-up de moins de 5 ans. En 2016, on en a financé 3500. Donc vous voyez la dynamique qui est qu'aujourd'hui, et on a l'intention de continuer, si l'État nous donne des moyens, dans cette dynamique-là. Ça, c'est le premier axe, et ça passe effectivement par des outils de financement qui sont, j'allais dire, régaliens, où l'État accepte de prendre du risque un peu en amont du secteur bancaire ou en accompagnement du secteur bancaire pour commencer à trouver des premiers financements des entreprises. Le deuxième mouvement qu'on a essayé d'initier, c'est de permettre à ces entreprises de croître de façon beaucoup plus significative et qu'émergent à l'intérieur de cette masse d'entreprises des très grandes entreprises. Et ça passe par plusieurs choses. D'abord, que les entrepreneurs considèrent que c'est possible. Et cette barrière, on l'a aussi passée. C'est des Jean-Baptiste Trudel qui ont réussi à créer une boîte mondiale côté au Nasdaq. C'est un nombre de gens qui ont montré qu'aujourd'hui, on pouvait considérer qu'on pouvait créer une boîte qui vaut 1 ou 2 milliards et qui, donc, ont changé, j'allais dire, l'ambition de ce qu'un entrepreneur pouvait imaginer il y a quelques années. Le deuxième aspect, c'est qu'il faut leur donner les moyens. Alors, il faut leur donner des moyens en dette. Et là aussi, on a beaucoup développé les produits de dette en complément des fonds propres. D'ailleurs, avec le fonds, la BEI, qui nous a, on s'est beaucoup financé par le plan Juncker. L'Europe, il faut le dire, l'Europe nous a beaucoup aidé à trouver des financements.
Mais ça passe aussi beaucoup par du capital risque, c'est-à-dire les fonds propres et les investisseurs spécifiques dans cette classe d'actifs qui est très particulière, avec un métier qui est très spécifique, qui est que vous investissez dans 10 startups. Vous en avez dans les 10, une qui va exploser normalement, si ça se passe bien. Vous en avez 8 qui vont se débrouiller pas mal, ou 7 qui vont se débrouiller pas mal, et une ou deux qui vont tomber. Et c'est la vie des affaires. Et tout le modèle est quand même que ça marche si vous en avez une dedans qui marche très bien. D'accord ? C'est ça le mécanisme normal d'un fonds. Alors déjà, on part d'un actif, on se plaint souvent, mais on part d'un actif qui est assez profond en France. En France, on a près de 200 fonds de capital risque. C'est probablement à peu près ce qu'il y a en Angleterre. Et c'est deux ou trois fois plus, probablement trois fois plus de ce qu'il y a en termes de fonds allemands aujourd'hui. Pour une raison très simple, c'est que l'État français a plutôt été continu après la crise de 2000. La KfW, qui est l'équivalent de la Caisse, a abandonné le capital risque après la crise de 2000. Il y avait près de 250 fonds ou 300 fonds en Allemagne. Il n'y en a plus que maintenant 40 ou 50. Et donc, on a cet actif, mais ces fonds étaient et sont encore, il faut bien le reconnaître, de taille trop petite ou n'étaient pas capables d'accompagner les entreprises dans leur croissance. Donc, il faut faire grossir ces fonds pour leur permettre de mettre plus de moyens dans les entreprises et qu'elles puissent croître plus significativement. Alors, cette dynamique, elle est enclenchée. Donc, BPI France, on a fait le job, entre guillemets, c'est-à-dire qu'on a dit, OK, banco, on va mettre les moyens pour faire croître ces fonds et on va faire le pari que le privé va nous suivre parce que, évidemment, on n'a pas décidé de nationaliser le capital risque français. Donc, on a fait ce pari et ce pari, il est en train plutôt de fonctionner. Je vais vous donner quelques chiffres. La taille moyenne des fonds qu'on finançait, on finance une centaine de fonds de capital risque. Hein. Entre 2008 et 2012, il était d'à peu près 80 millions d'euros. Il est passé à 140 millions d'euros entre 2013 et 2015. Et on pense que ça va continuer à croître. Hein. Et la taille moyenne des tickets de série A, qui sont les premiers tickets, il était en France de 1,4, 1,5 millions d'euros. Il est à peu près de 2,5 millions d'euros. Le capital risque français, il croît à peu près de 30% par an. Depuis maintenant 3-4 ans. L'Angleterre est flattiche depuis 3-4 ans et l'Allemagne a des hoquets très très gros parce qu'en fait ils ont un seul acteur qui est l'actif des frères Sommer qui est Rocket, qui fait de temps en temps des très belles investissements puis de temps en temps va à la cave, donc c'est un peu acyclique, mais globalement donc il faut qu'on continue à faire en sorte que ces fonds grandissent. Pour ça, on a besoin de plus en plus d'argent privé parce que là encore, on a mis beaucoup de moyens et ça fait partie d'ailleurs, des ambitions du président Macron de faire en sorte qu'il y ait plus de moyens qui se déversent. Mais la dynamique, elle est là, elle est bonne. Il faut continuer. Il faut continuer à un rythme raisonné aussi puisqu'il faut que ce système fonctionne durablement. Ça ne marchera que s'il y a une rentabilité intrinsèque. Le capital risque, il marchera si l'argent privé y vient, qu'il a une rentabilité. On ne va pas créer un système hors sol où les gens mettent de l'argent et puis à la fin, ils se trouvent avec 50%. Ça va marcher 3-4 ans, le temps que les gens rêvent. Et puis quand ça va arriver, les investisseurs dans leur compte en banque, ils vont bien se rendre compte. Donc ce cycle, il marche. Je peux d'ailleurs vous dire que les retours qu'on a sur la rentabilité des fonds est plutôt bonne. C'est-à-dire que plus les fonds grandissent, plus les entreprises croissent et plus la rentabilité. Mais il faut le faire de façon, raisonnée. Alors ensuite, peut-être pour conclure, pour faire ça, il faut aussi que les boîtes soient internationales et il faut, dans un certain nombre de cas, qu'elles sortent d'Europe. Parce que la croissance en Europe, elle existe pour un certain nombre d'entreprises. Mais dans un certain nombre de cas, si vous voulez créer des boîtes mondiales, il faut probablement que vous alliez attaquer le marché américain ou le marché asiatique. Il n'y a pas de règles, mais malgré tout, on voit que les succès de Criteo, de Talend, d'un certain nombre de boîtes dans les biotech, elles passent par ces grands marchés. Ce n'est pas compliqué. 350 millions de personnes qui ont la même langue, la même réglementation, ce n'est pas tout à fait pareil que 350 qui ont un patchwork de 18 ou 20 réglementations. Et ça durera encore un certain temps. Donc pour ça, il faut effectivement qu'on fasse des ponts de plus en plus étroits. On a mis quelqu'un, nous, de BPI France à San Francisco. On finance des accélérateurs et des incubateurs là-bas. On finance des fonds d'investissement pour qu'ils réinvestissent en France et accompagnent des boîtes à l'international. On veut vraiment créer ce pont. On finance de plus en plus de fonds français qui deviennent des fonds pan-européens et des fonds qui vont aux États-Unis ou même en Asie. Et on commence cette patte avec l'Asie pour faire en sorte que nos entrepreneurs soient accompagnés, arrivent aux États-Unis, puissent adresser ce marché et les réseaux qui leur permettent de croître. Alors, je voudrais juste revenir sur l'intervention de monsieur en début.
Moi, je ne vois pas ça. Alors, c'est vrai qu'on a de beaux bureaux juste à côté de la BNP, et donc on a un risque non négligeable de vivre dans notre tour d'ivoire. Mais je ne vois pas cette hémorragie. Alors, il y en a peut-être une à l'ESCP. C'est pour ça que je serais content d'avoir une discussion pour avoir les boîtes et comprendre. Nous, la réalité qu'on voit, elle est que... on accompagne les entrepreneurs aux États-Unis, que leur boîte reste dans la très grande majorité des cas françaises, que vous allez à San Francisco aujourd'hui, la mafia qui s'est créée des entrepreneurs vous diront qu'il faut qu'ils laissent l'ensemble de leur R&D et développement européen en France pour des raisons très simples, hein, qui sont mécanismes, vous l'avez cité, crédit impôt recherche, 40%, financement des banques et de BPI France, les ingénieurs sont trois fois moins chers, de bonne qualité, et sont loyaux et ne se tirent pas au bout de 6 mois. Donc je vois très peu aujourd'hui d'entrepreneurs qui vivent d'ailleurs dans la Silicon Valley qui considèrent qu'il faut s'installer massivement aux États-Unis. Il faut s'y installer pour créer votre antenne aux États-Unis et attaquer le marché américain, mais surtout pas mettre vos ingénieurs, parce que de toute façon, vous n'en trouverez pas et le modèle ne fonctionne pas. Et donc je ne vois pas, moi, de départ massif d'entrepreneurs vers les États-Unis qui prennent leur boîte et qui se délocalisent. Nous, on essaye de construire un modèle qui ressemble un peu au modèle israélien où les entrepreneurs créent de la valeur. Le meilleur cas, c'est Talend, qui est une boîte qui a été cotée au Nasdaq il y a 18 mois, dans laquelle on a investi il y a 4-5 ans. C'est une boîte qui est en train de devenir une très belle boîte du big data. Elle vient d'être cotée au Nasdaq. Elle a attaqué le marché américain et maintenant elle est mondiale. Cette boîte, elle vient de décider de réouvrir un centre de recherche à Nantes parce qu'elle manquait d'ingénieurs et elle n'a pas décidé de le faire à San Francisco. Elle l'a fait à Nantes parce qu'il y a un super bassin d'emploi. Et on voit ce modèle qui est en train de se développer et qu'il faut évidemment continuer. Donc, peut-être qu'il y a des cas, mais encore une fois, je crois que le modèle est en train de tourner. Alors après, il y a des challenges, c'est qu'il faut continuer, il faut que nos fonds soient encore plus gros, il faut que nos marques de fonds soient importantes. On a beaucoup d'entrepreneurs qui sont attirés par les marques des très gros fonds américains parce que c'est une reconnaissance qui est bien normale. Il faut qu'on crée des marques françaises pour que les entrepreneurs français prennent ces fonds versus les fonds américains. Il faut qu'on continue à faire croître notre capital risque avec de plus en plus d'argent privé, parce que le modèle, il doit venir de cette rentabilité et de cet investissement. Mais la bonne nouvelle, c'est que je crois que la mécanique a commencé à s'enclencher, que tout le monde travaille dans le même sens, et je suis, moi, plutôt confiant sur le fait qu'on est sur la bonne voie. Merci Paul-François. Moi, je retiens plusieurs choses quand même. Hein. Déjà, à ce stade-là, il est important d'avoir une vision complète sur finalement les stades de développement de l'entreprise. Il est important de faire coopérer à la fois BPI et ses banques de réseau non publiques, et peut-être même d'ailleurs de pousser la coopération un cran plus loin, c'est-à-dire que les banques de réseau coopèrent entre elles également, hein, ça fera toujours plus d'énergie et beaucoup plus de d'entraînement, et ça c'est positif. On va continuer, on va discuter également avec Hugues, mais évidemment le temps est très compté, mais il y a une chose qui est également fondamentale, qui est faite chez BNP, qui est faite chez BPI, et que Hugues va nous expliquer, c'est la façon dont vous mettez vos poulains en lumière. Alors ça s'appelle Innovant Connect chez les uns, ça s'appelle le Hub chez les autres, ça s'appelle Starting Post chez les troisièmes, mais c'est fondamental, et ça je crois que c'est encore un point formidable qui ne fait qu'amplifier cette mobilisation des uns et des autres vis-à-vis de... Alors il y a peut-être juste moi un sujet qui me titille, c'est toujours cette approche bas de bilan par rapport aux fonds propres. Bon, les prêts, si on parle des prêts, puisque le capital c'est quand même un truc qu'on a intérêt à garder le plus longtemps possible quand on est entrepreneur, est-ce qu'on pourrait pas imaginer que dès lors qu'on a effectivement un écosystème qu'on a créé, parce qu'on a une start-up qu'on connaît, on a mis un peu d'argent en capital, on l'a connecté avec un acteur industriel du Hub ou d'Innovant Connect ou de Starting Post, et qu'on soit capable de faire des prêts, déplafonner, tant pis, des fonds propres, augmenter d'intentions de commande qui sont en train de s'opérer entre son poulain et le compte avec lequel on a fait une mise en relation. C'est une question, je ne souhaite pas la réponse tout de suite, mais j'aimerais bien qu'un jour on puisse arriver à ce dépassement du risque dès lors que le contexte, lui, est qualifié par la qualité de l'entrepreneur et la qualité de l'acheteur avec lequel on travaille. Je ne réponds pas, je dis juste, parce qu'on en a longtemps parlé, je suis d'accord, hein, et on a essayé de mettre un peu de souplesse, probablement pas assez, il y a des contraintes européennes. Oui, absolument.
Les cas que je vois, moi, c'est des boîtes qui ont beaucoup de commandes. En général, elles ont beaucoup de fonds propres parce qu'elles ont beaucoup d'investisseurs. Et donc, on est dans la spirale plutôt positive. Où quand tu as beaucoup de commandes, tu as beaucoup d'investisseurs qui viennent, tu as beaucoup de prêts, etc. Bon, il y a des cas probablement où on peut s'améliorer sur des cas plus intermédiaires. Moi aussi, je ne vais pas répondre, mais et pour Philippe, la distinction dette-fonds propres, elle est fondamentale. Et si on ne la fait pas, on va demander des fonds propres, mais non pas à l'entreprise. On va demander des fonds propres à la banque. Et toute la réglementation européenne repose sur la relation fonds propres et risque. Puisqu'on est sur du risque, la sélection de la cible me paraît absolument fondamentale. C'est-à-dire que je pense que la start-up, plus que toute autre entreprise, se doit d'avoir un parcours d'exception. C'est-à-dire une innovation d'exception, un dirigeant d'exception, des process internes d'exception, et ne peut pas se permettre de se casser la figure à un moment donné ou à un autre. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de retournement, ou il y a très peu de fonds de retournement en France qui, sur de la start-up, acceptent de remettre un ticket alors qu'on a eu de la perte et on va encore en avoir. Donc ce parcours d'exception me paraît fondamental, et je pense que votre rôle à vous, et le rôle d'Hugues m'intéresse beaucoup sur ce point, comment vous sélectionnez les cibles, qu'est-ce que vous attendez des cibles, voilà, quelle est cette relation, cette fonction que les financeurs vous faites dans la sélection des startups. Alors, pour prendre un tout petit peu de recul ou de hauteur, il y a un petit sujet sur vie ma vie de grand groupe. Qu'est-ce que voient à l'heure actuelle les patrons de grands groupes? Ben, ils voient ce qui se passe sur le marché de l'hôtellerie, sur le marché des taxis, sur le marché de la photo, sur le marché de la musique. Du côté du groupe La Poste, on voit que le volume de courrier adressé, en 15 ans, il aura diminué moitié. Donc on est tous impactés par la vague de la digitalisation et par la dématérialisation que ça entraîne. À quoi est liée cette vague et la puissance de cette vague? C'est qu'il y a 30 ans, quand on voulait innover, il fallait avoir des équipes de R&D, il fallait payer des millions d'euros des ingénieurs spécialisés qui avaient vocation à déposer des brevets pour avoir un monopole légal. Il y a encore 10 ans, quand on voulait monter une start-up, il valait mieux avoir quelques centaines de milliers d'euros parce que créer un site web un tout petit peu innovant à l'époque, moi c'est ce que j'avais fait en 2006, ça coûtait quand même beaucoup d'argent. Et ce qu'on constate maintenant, c'est que tout le monde peut innover. L'innovation digitale s'est beaucoup démocratisée. Et ça donne des histoires comme celle de Snapchat, où en 2011, deux étudiants dans un garage à Stanford. Et puis, 6 années plus tard, c'est une entreprise qui est valorisée une vingtaine de milliards de dollars. Donc l'innovation s'est beaucoup démocratisée. Et la question que se posent les grands comptes, c'est comment faire pour ne pas être submergé par cette innovation digitale qui peut venir de partout, hein, de la France, de l'Europe, de San Francisco, d'Israël, mais du reste du monde également. Donc comment je fais pour ne pas me prendre la vague en pleine face, mais au contraire, comment je fais pour surfer au maximum sur la vague? Là-dessus, il y a plein de réponses, et une des réponses, c'est l'innovation ouverte, c'est l'open innovation, c'est-à-dire de travailler de manière agile avec des entreprises plus petites, des entreprises innovantes, des entreprises qui vont plus vite, donc de travailler de manière efficace avec des start-up. Les start-up, on va pouvoir travailler avec elles sur 3 sujets. Premier sujet, c'est juste un sujet de je vais acheter des prestations ou des services de la start-up qui vont me permettre d'optimiser mes process internes. Donc là, on n'est pas dans du financement ni par la dette, ni par les fonds propres. On est juste un client de la start-up pour optimiser les process internes du grand compte. Donc ça, c'est un premier sujet. Deuxième sujet, c'est comment j'innove avec des start-up pour enrichir et développer ma gamme de produits actuels. Donc je vais tester le projet de la start-up et voir comment il vient compléter mes offres de services actuelles. Et troisième sujet qui a été un petit peu abordé par Dorothée, c'est comment je travaille avec mon écosystème, à aider mon écosystème de clients, de fournisseurs ou autres à travailler eux-mêmes avec des start-up. Donc on a ces 3 approches, la start-up comme fournisseur, la start-up comme partenaire et la start-up qu'on va mettre en relation, mettre en contact avec notre propre écosystème autour de Grand Groupe. Donc là, c'est des aspects de partenariat business. Et après, le deuxième sujet, c'est qu'effectivement, comme l'a rappelé Alberto, le grand compte peut aussi intervenir
en tant qu'investisseur, donc dans une logique de corporate venture, avec toujours les mêmes trois sujets de fournisseurs, de partenaires ou de travailler sur l'écosystème. Et l'avantage de travailler avec un grand compte en tant qu'investisseur en corporate, c'est que ce sera de l'argent qui viendra, donc comme l'argent d'une banque ou comme l'argent d'un corporate venture, mais ce sera de l'argent intelligent avec des retours d'expérience, avec du network et avec l'ensemble de la puissance industrielle et commerciale du groupe. Alors après, pour répondre précisément à la question, le critère de sélection de Starting Post, c'est la cohérence de l'offre de produits de la start-up par rapport aux grands axes de développement stratégique que le groupe La Poste s'est donné. Donc je ne vais pas rentrer dans les détails, mais globalement, le groupe La Poste, comme l'ensemble des grands groupes, se fixe des axes stratégiques qui nous permettent d'éclairer l'avenir. Donc sur la base de nos métiers actuels ou sur la base de métiers sur lesquels on souhaite investiguer et se développer, et nous, on va choisir les startups sur le fait qu'elles soient inscrites dans ces axes de développement et dans ces stratégies. Et après, en termes de niveau de maturité des startups, on cherche vraiment des startups qui ont déjà un produit commercialisé ou un produit suffisamment robuste pour que, quand on va présenter la startup à un patron de business unit, pour après le mettre en lumière auprès de nos clients, le patron de la business unit soit suffisamment rassuré pour prendre le risque de tester en interne le produit de la start-up et encore plus important, de le mettre en relation avec nos propres clients et prospects. Merci, très bien, merci beaucoup. Je m'autorise. On pense tous au modèle d'une start-up où il y a l'amorçage, la phase de capital risque, le développement, la maturité. Bon, la vie, elle est plus compliquée. C'est-à-dire que on peut avoir de l'amorçage, on peut durer un an, on peut... Voilà. Bon. Donc, on peut être sur des unités de temps avec des phases qui sont tuilées entre elles, qui sont... On peut aussi changer de modèle économique en cours de parcours. Moi, j'ai un de mes clients qui a changé de technologie au milieu d'un parcours. Et donc, il est plutôt long, mais avec un parcours de start-up depuis 2 ans, quand il y a besoin de ressources et quand ce n'est pas simple avec les banquiers, Fabrice, qu'est-ce que la médiation du crédit fait ? Alors, moi je vais répondre à ta question, mais je vais réagir notamment à ce qu'a dit Alberto. De toute façon, en effet, on parle des startups là, mais les problématiques de financement en dette et de financement bancaire, elles arrivent très vite en fait. Il y a très vite, il y a des questions. On a parlé des bridges, mais on pourrait parler de financement du BFR et ainsi de suite. Donc il y a des problématiques qui arrivent assez vite, qui sont plutôt du domaine bancaire. Moi j'ai bien aimé dans ce qu'a dit Alberto, c'est n'hésitez pas à taper à la porte de votre banque, de vos banques, de BPI France et d'autres. Et ça, en effet, n'hésitez pas. Parce que, primo, même si, en effet, un banquier vous dit pas oui, il va vous expliquer pourquoi il ne peut pas vous suivre complètement. Il va peut-être vous expliquer qu'il y a d'autres produits qui existent et peut-être qu'il les a d'ailleurs en magasin. Et voilà. Donc ça, pour moi, c'est un grand sujet. N'hésitez pas, en effet. Et très vite, parce que très vite, il y a les problématiques de financement en dette qui vont apparaître. Mon autre point, c'est que, en fait, ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, vous avez une démultiplication des sources de financement et des modalités de financement. Ça, il faut qu'on en soit tous conscients, et notamment en dette. Il y a un nombre d'acteurs assez incroyable. On a commencé à en parler. On a parlé des banques traditionnelles, on a parlé de BPI France, on a cité la BEI. Mais il y a plein d'autres acteurs, rien qu'en dette, des fonds de dette, les plateformes de crowdlending. Il y a plein d'autres éléments qui apparaissent dans le paysage. Et c'est un vrai challenge pour vous. C'est justement de comprendre tout ce qui est mobilisable, qu'est-ce qui peut être utilisé et s'y retrouver là-dedans. Et en plus, ce qui est très troublant depuis le début de notre discussion, c'est qu'en fait, ce que vous voyez, c'est qu'en fait, il faut combiner toutes ces sources de financement. En fait, on n'a jamais dit, enfin, je crois pas, hein, je parle sous le contrôle d'Alberto. Alberto, il n'a pas dit, j'ai qu'une seule banque, une seule source de financement et c'est tout. En fait, hein, depuis le début, on voyait qu'on n'arrête pas de surfer et de combiner du BNPP avec du BPI. Et puis, en fait, Alberto a sûrement utilisé d'autres acteurs. Mais vous, très vite, vous allez comprendre, en effet, que vous allez combiner alors, du BPI, du BEI. Vous allez essayer peut-être de préfinancer du crédit impôt recherche. Vous allez peut-être faire un peu de
crowdlending, de la facturage, du crédit bail, et j'en passe. Et ça, évidemment, c'est très troublant parce que, à la fois, c'est une démultiplication qui est fort sympathique, parce qu'on se dit, dans tout ça, on va bien trouver une solution pour financer ma boîte. Évidemment, c'est très déstabilisant parce que ça demande une maîtrise, finalement, des règles du jeu des uns et des autres. Mais j'ai envie de dire, surtout, il faut y aller. Et en plus, quand vous êtes dans le mode start-up, il faut aussi regarder les nouvelles formes alternatives de financement. Et il ne faut pas hésiter. Alors, quand vous ne vous y retrouvez pas, maintenant, je vais basculer sur la question de Jean-Claude, la médiation du crédit, nous, on est là pour ça aussi, parce que parfois, alors évidemment, quand il y a des chefs d'entreprise qui maîtrisent toutes ces subtilités, qui arrivent à combiner toutes les sources de financement, bah, c'est fantastique, ils ont une personne. Mais parfois, ils peuvent avoir besoin de gens comme nous. Nous, on maîtrise et on est plutôt assez à l'aise à piocher dans les différentes sources de financement et à essayer de les combiner justement pour, j'allais dire, accompagner l'entreprise dans toute son activité. Alors, juste, je finis parce que la médiation du crédit, c'est pas, ça sert à des entreprises qui sont en difficulté financière, et ça arrive, hein, c'est la vie du business, hein, parfois on est en haut de cycle, c'est super, et puis parfois on est en bas de cycle, parfois il y a des petits accidents, et il faut savoir gérer aussi ces moments-là avec avec ses partenaires bancaires, et qu'on n'y arrive pas, il faut aussi regarder la médiation du crédit, mais il faut savoir aussi qu'il y a plein d'autres phases, hein, ne sont pas nécessairement des phases de difficultés financières, où on peut être en difficulté de financement. Et vous allez petit à petit devenir mature. Il faut savoir qu'il y a des sujets qui apparaissent aujourd'hui, par exemple, sur notamment la transformation digitale, la transformation numérique des entreprises matures. Mais faites attention, vous aussi, si vous êtes des startups dans la salle, à un moment, vous allez être aussi considérés comme des entreprises matures. Et il y aura aussi du financement, justement, d'une transformation digitale, d'investissement immatériel. Et parfois, en dette, bah, c'est un petit peu plus difficile parce que les banquiers, historiquement, ils aiment bien avoir des garanties sur des actifs physiques. Voilà. Et quand vous êtes très dans l'investissement immatériel, il faut reconnaître que bah, parfois, ça peut coincer. Mais attention, ça coince au premier regard, mais en fait, on trouve des solutions. Il y a BPI France qui peut apporter des garanties. Là aussi, je reviens sur mon sujet. Pour moi, le financement, si vous voulez, du 21e siècle, c'est souvent des combinaisons de financeurs. Et ça, il faut que vous ayez vraiment ça en tête. C'est de la combinaison. Et parfois, on parlait, vous savez, de pool bancaire, du pooling, c'était vraiment pour des gros dossiers. Mais aujourd'hui, moi, en tant que médiateur du crédit, si vous voulez, même pour du 500 000 euros, bah, du 500 000 euros, parfois, ça saucissonne à trois cofinanceurs. Et après, on va aller chercher une garantie chez BPI France ou sur une société de caution mutuelle. Donc, on voit que, il faut combiner. Il faut avoir l'esprit ouvert. Écoutez bien vos banquiers traditionnels ou moins traditionnels. Parfois, ils vous diront, en effet, ce qui coince un petit peu dans votre bilan. On parlait, c'est les grandes questions, hein, les petits équilibres entre les fonds propres et la dette. Mais j'ai envie de dire, finalement, alors vous pouvez avoir votre propre opinion, mais j'ai envie de dire, il suffit de demander au banquier. Lui, il va vous dire, finalement, là, il accepte, là, il n'accepte plus. Là, le ratio est un petit peu déséquilibré, la structure financière est un petit peu déséquilibrée. Donc, j'ai envie de dire, moi, c'est un grand, vous savez, un médiateur, ça sert à débloquer les situations. Mais la première chose que moi, je remarque, c'est souvent que les chefs d'entreprise qui vont chez nous ont peut-être pas bien écouté leurs banquiers et les raisons évoquées qui aboutit à ce petit blocage. Et si les chefs d'entreprise pouvaient bien écouter, finalement, parfois les raisons du blocage, hein, parfois on trouverait pas la solution. Alors c'est vraiment un grand truc, mais surtout écoutez bien votre banquier, même quand il vous dit non, ce qui est désagréable un petit peu, mais il vous donne de l'information et parfois il va vous donner la solution, l'air de rien. Sinon, la médiation du crédit, on vous apportera la solution. Je suis totalement d'accord. En plus, je rajoute que écouter le banquier, ça va nous forcer à faire deux choses parce qu'il est là pour nous prêter de l'argent. Et quand on est impliqué à l'émotionnel, on dit « Ah, il m'a dit non, c'est pas bien ». Ça va nous forcer à écouter. Ça va nous forcer à aller dans les points de détail de business plan. Et je vous le dis comme entrepreneur de succès, au début de ma carrière, peut-être j'en ai pas dans les points de détail. Et aujourd'hui, je vous dis que la différence, c'est les points de détail. Alors, si on a cette maîtrise, on aura plus de chances et plus de succès d'avoir deux choses. Avant tout, le financement. Et deux, de réussir notre plan. Parce qu'avoir le financement, c'est que le début. Donc, l'objectif du startup, c'est avoir le financement. Mais après, il faut
comme on disait, il faut que ce financement soit restitué, il faut donner de la valeur ajoutée à notre investisseur. Donc, il faut vraiment que ça soit un métier. Et quand on cherche à lever de l'argent, il faut vraiment écouter les banquiers, écouter les conseillers, dédier le temps. Et d'habitude, l'investisseur, la start-up, travaille toujours seul, one-man show, où il y a pas des équipes dédiées pour lever de l'argent, ça c'est aussi un problème. On n'a pas toujours des compétences en interne, on ne donne pas assez de temps parce qu'on veut développer le business, mais si on veut vraiment le développer, un des passages, c'est étudier notre business plan dans les points de détail, pouvoir démontrer les assumptions, convaincre les banquiers, il y en a plus qu'un à convaincre, je suis d'accord avec toi, et s'ils valident, ça veut dire qu'il y a une chance de pouvoir réussir. Si eux aussi ne valident pas, ce n'est pas parce qu'ils sont là pour vous dire non, parce qu'ils sont payés, ils ont là de l'argent et ils veulent que cet argent soit rentable. Ils ne sont pas là pour vous donner de l'argent et que vous partez avec la caisse ou vous en faites n'importe quoi. Donc, il faut vraiment se focaliser sur tout ce qui est ça. Et l'autre chose, c'est vraiment voir s'il y a des autres cas dans le marché. Travailler beaucoup sur les comparables, travailler beaucoup sur les modèles existants, comme tu disais, copier des modèles. Ça, c'est encore une chose qu'il faut essayer de faire. Et sur ça, les Américains, ils sont très capables, voir, copier, comparables, modèles. Nous, il faut chercher, aujourd'hui, en Internet, on a tout, utiliser Quant, par exemple, pour chercher les modèles comparables. Mais il faut avoir du temps et il faut investir soi-même. Merci pour cette, cette première synthèse. Moi, je retiens finalement à l'issue de cette table ronde plusieurs choses. La première chose, c'est qu'il faut faire preuve d'un grand professionnalisme, que ce soit du côté de l'entreprise ou de l'investisseur, bien évidemment, mais ça, c'est de base. Je retiens également que la notion de dialogue et de confiance est fondamentale et elle doit être créée le plus vite possible, le plus tôt possible. Et surtout, je pense que la meilleure des choses, c'est de garder un point de contact régulier, ne pas aller voir effectivement son banquier, son investisseur, ça, quand on est sur la réserve. On va le voir aussi quand tout va bien. Et là, on lui raconte des choses sympas qu'il a envie d'entendre et ça permet de conserver ce dialogue et cette confiance. Je crois qu'il faut également être très, très, très sensible sur les signaux faibles, ne pas faire d'un signe faible une catastrophe et se recroqueviller sur soi et rester dans sa chambre tout seul à se morfondre. Non, il faut aller voir tous les acteurs qui sont là pour simplifier et la médiation est essentielle. Et puis l'autre volet que je retiens, et ça je pense que c'est assez nouveau quand même, hein. Alors j'ai la faiblesse de penser que il y a eu un élément déclencheur il y a quelques années qui a été les pigeons, qui a amené à ce qu'il y ait eu les assises de l'entrepreneuriat et finalement un changement de rang de modalité. Et toute la politique en a découlé derrière, hein, y compris la création du French Tech et toutes les actions qui ont été menées, et puis la place qu'a pris BPI dans tout cet environnement et la façon dont maintenant les organismes banquiers se positionnent. Mais au-delà de ça, je crois que ce qui est formidable, c'est de voir que tous ont une offre qui est complètement intégrée, complète, qui anticipe, qui accompagne. L'accompagnement ne se fait pas uniquement dans le suivi, mais il se fait également dans devancer, hein, l'international, par exemple. Et ça, c'est quand même formidable. Et peut-être que pour aller au bout d'un schéma formidable, la coopération, alors déjà entre BPI et ses banques, ça, tout le monde reconnaît, ça a fait des progrès énormes depuis 5 ou 6 ans. Franchement, et ça, c'est remarquable. Et peut-être amener également, plus généralement, l'ensemble des acteurs à coopérer encore plus entre eux, pas uniquement qu'avec BPI, pour que... Je rajoute juste un point, une dimension qu'on a moins évoquée dans cette table ronde, qui est la problématique du temps. Il y a des points d'irréversibilité dans la vie, c'est encore plus vrai sur la start-up. C'est-à-dire que lorsqu'elle a des résultats négatifs, qu'elle commence à manger ses fonds propres, il y a un moment donné où on ne sait plus le faire. Lorsque les fonds propres deviennent négatifs, lorsque l'entreprise a une cotation 6 à la Banque de France, lorsqu'elle a un impayé, trouver des banquiers ou trouver des fonds pour la financer est quelque chose d'extrêmement difficile. Il faut là redémarrer à zéro, il faut que l'entrepreneur retrouve des fonds propres. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que lorsque les difficultés viennent ou lorsque le business plan est plus difficile à faire que prévu, chercher des financements, il faut le faire beaucoup plus vite que les autres entreprises. Et là, la relation avec les banquiers, elle est très importante parce que le banquier est une force de rappel. Je me souviendrai toujours de ce chef d'entreprise qui fabriquait des cartes de visite que j'étais allé voir dans une autre vie, en disant « Mais monsieur, vous n'avez pas de directeur financier ?» Il me dit « J'ai pas besoin de directeur financier, j'ai mon banquier. » Oui, j'ai mon banquier parce que quand je suis en rouge, il me téléphone le matin. Bon. Et il utilisait son banquier comme force de rappel. Bon, alors c'est une anecdote, mais effectivement, le retour du monde de la finance, il est fondamental parce que lorsqu'on est dans une histoire qui n'est pas excellente,
La perception des moments où il faut arrêter, il faut retourner chercher de l'argent. Si on tarde de trop, on peut pas. Voilà. Donc les problématiques de temps sont peut-être encore plus importantes. Je voudrais me permettre de vous inviter pour poursuivre ce débat sur un aspect particulier qui est celui du crédit impôt recherche, des problématiques de comptabilisation des frais de recherche et développement. Nous organisons avec Philippe à 14h30 un atelier cet après-midi avec l'Ordre des experts comptables sur ces questions. Merci beaucoup aux intervenants. Merci à tous. Merci.